Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un drone, le Uanuki 899B. C'est le même que le C, à part que lui il a le maintien d'altitude. Voilà le drone, il est noir, je viens de le recevoir. Il y a 2-3 jours, j'ai fait 3-4 essais déjà. Ça me refait très très bien, hein. Il est puissant, il a deux vitesses. Il a deux vitesses et la. Un métier d'attitude, comme tous les drones. Il a un mode sa tête, un fonction retour, mais ça c'est faux, quoi, parce qu'il n'a pas de GPS. Voilà. Vous voyez la prise, une prise banane. Sa batterie. Pas propriétaire, je me suis trompé. Voilà. Il a une caméra HD, 2 millions de pixels, en Wi-Fi. Moi ça m'intéresse pas. Il peut aller jusqu'à 150 mètres, ça c'est vrai, j'ai testé. Il a de très bonnes lumières à l'avant, elles sont vertes, et à l'arrière elles sont rouges. Bon, moi j'ai rajouté une LED avec une batterie, parce que moi comme ça je vois mieux où est le devant, où est le derrière. Il a 4 hélices de rechange, il a un temps de vol de 9 minutes, c'est pas beaucoup mais bon. Les moteurs brossés, hein. C'est les mêmes moteurs que le Cima, pareil. Il a un décollage et un atterrissage automatique. De bonne vitesse, il a 4 hélices, comme il dit. Qu'est-ce qu'il a encore? Ça, voilà la radio-commande. Présente la radio-commande, l'allumer. Voilà. La radio-commande. Alors ici, vous avez le mode EDES. Ici. Vous voyez, là. Ici, c'est pour faire des flips. Là, vous mettez la direction, gauche, droite. Là, il ne veut plus s'arrêter. Il n'a plus envie. Voilà. Ici, changement de vitesse. Allez, une, deux. Après, les démarres, il continue. Voilà. Ici, pour décoller, d'abord calibration du gyroscope. Comme ça, vous décollez les manettes comme ça, vous appuyez sur ce bouton là, il décolle. Vous le faire atterrir, rebelote. Voilà, voilà la radio commande. C'est un très bon drone, il est très bien, moi je le trouve très puissant, plus puissant que le B, oui que le B, ou que le C pardon, parce que le C il est bloqué par le GPS, que lui non pas du tout. Lui pas bloqué, il a un très bon bien dans le métier d'altitude. Il se tient très bien en l'air. Hein. Bon, il y a du vent, il bouge, c'est sûr. Autrement, il est très. Il fait 560 grammes avec la batterie. Il fait 35 comme ça, 35. C'est un truc. C'est pareil que le Cima. C'est pareil que le. Il ressemble vachement au Phantom. Hein. Le Phantom 1, c'est le même. Voilà, je vais vous montrer son collègue. Vraiment, c'est le même. Voilà, vous avez les mêmes. C'est le même. La même bête. Vous voyez, ils se ressemblent tous les deux, comme deux gouttes d'eau, identiques. On voit aucune différence. Il n'y a même pas écrit qu'il est GPS, je ne sais pas. Voilà, vous voyez. Même prise, même truc, même tout. Voilà, j'ai perdu un bouchon, hein. Désolé. Voilà, autrement, c'est un bon drone. J'ai payé 60 euros. Sur AliExpress, il est vendu pas cher, hein. J'ai eu au bout de 10 jours. Voilà, un peu les pieds qui sont un peu fragiles. Bon, moi j'ai mis la lumière, mais la caméra se met ici, mais moi ça ne passe pas. Bon, c'est pour voler. Hein. C'est très bon LED, c'est un très bon produit, hein, pour moi. Hein. Après, dans le temps, je sais pas. La radio commande, c'est très très bien aussi, elle est très bien expliquée, tout est bien expliqué, elle est facile à se servir. 4 piles RC, voilà. Alors, que vous dire de plus, que c'est un ouais, il y a une recharge de 240 minutes, mais c'est pas vrai. Si vous prenez un autre chargeur comme moi, pour même pas une heure, elle est rechargée la batterie. De toute façon, j'ai changé de batterie, celle-là, je n'en prends plus, j'en ai plus, j'en ai acheté d'autres, mieux que ça. J'ai mis de nouvelles fiches à la plaque parce que ça vaut rien. Ça
Celle-là, elle ne dure même pas 7 minutes, hein, comme celui-là, comme le GPS. Voilà mon ordre. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir, puis à la prochaine.